moi, bien sûr, mais je me sens tellement petite face à ce nom, si vous pouvez savoir. Ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est un héritage qu'on est obligé de porter à travers le monde. Merci beaucoup. Et quand tu as commencé tes premières notes, les autres ne comprennent pas le Bambara, moi je comprends un peu. J'avais les larmes aux yeux, parce que c'est l'Afrique profonde que tu chantes. Et les mots qui sortent, c'est très profond. Il faut le comprendre, comprendre la langue pour savoir que ça te prend au trip et ça. Et j'étais émue, j'avais les larmes aux yeux, j'étais contente, c'était tout à la fois. Ça fait 25 ans et c'est comme s'il n'est pas mort et on a fêté le 25e anniversaire cette année et c'est beau, on est plus dans la fête que dans la tristesse. C'est ça qui est beau. C'est parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant dans vos témoignages. Il est vivant dans vos cœurs. Et ce n'est pas seulement les Africains, les Burkinabés, les Africains qui portent cette mémoire, c'est le monde entier. Donc on doit être fiers et aussi savoir que l'Afrique, et je voudrais avoir une pensée pour le Mali. Tu viens du Mali, tu sais ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. Et rien ne peut enlever les valeurs, la force, la vitalité de nos pays. Et le Mali, la beauté de ce peuple, la culture de ce peuple. Et qu'on vienne aujourd'hui pour bafouer ça, ça fait mal au cœur. Mais je suis sûre que ça ne peut pas faire arrêter le Mali dans son processus. Elle donne une image, elle donne un regard. Bon, c'est pas de notre faute si on est là.